face à la coursière de Michel Aguna. Il s'agit des 5 qui se sont qualifiés pour la finale des cocardes à Dax qui a eu lieu la matinée du championnat de France des écarteurs et des sauteurs. Le premier qualifié, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément. Il a su sortir des poules, faire ce qu'il fallait en demi-finale. Et tout à l'heure, eh bien, c'est vrai que c'était Davidos et Ludo, les deux jeunes de Pontops qui ont été honorés. Eh bien, lui aussi fera partie des meilleurs dans sa spécialité. Il vient de Pontops, Cyril Lagou. Le suivant nous vient de petit village de Chalos. Il progresse à pas de géant. Il a tutoyé les sommets en se qualifiant donc pour la finale. Il nous vient de Gareil, Paul Saint-Germain. Il a fait un court déplacement puisqu'il nous vient du village de Gousse. Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on le voit dans ses arènes de Pontox. Il viendra tenter sa chance une nouvelle fois. Julien Raspaccio. Je ne vais pas me lancer en énumérant son palmarès long comme le bras pour faire simple. Il a tout gagné ces deux dernières années, sauf eh bien, la grande finale des cocardes à Dax où il finit deuxième, mais il l'avait gagné l'année précédente, Jérôme Niel. Et enfin, le tout nouveau grand champion, lui aussi devenu un voisin de Pouyane, le chouchou de la spécialité aimée par tout le monde, des qualités physiques extraordinaires, une main qui commence à bien développer, Yann Brocker. Allez messieurs, félicitations, vous avez la chance d'ouvrir eh bien, ces arènes cette année pour la première cocarde qui vous est réservée. Elle portera la devise jaune et noire de la Ganaderia de la dalle de chez Michel Aguna. Il s'agit de Marcia Kez, une superbe coursière. Allez, on peut envoyer, c'est parti. 5 petites minutes, on commencera par une minute pour voir un petit peu le comportement. Et on ouvrira ensuite. Là voilà, regardez, superbe de présentation. Une tête très haute, vache solide. Elle va se lancer dans cette grande piste. Attention Jérôme. Allez, on va regarder un petit peu le comportement. À droite, à gauche. Voilà, ça du gaz, ça a envie de réagir. Ça va être à vous les garçons. Allez, Yann Brocker. Voilà, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Julien. Attention, Julien. Yeah.
Merci beaucoup. La Tchunga, allez garçons, il reste 3 minutes 30. Julien Raspantino. Et la coursière qui a pris quelques rasés, qui commence à les sélectionner un petit peu plus. Allez, ils sont secs de la piste. La piste de Pontox est relativement grande. Allez, Paul Saint-Germain, il s'élance le premier. Joli passage de Polo. Julien Raspantino. Attention Juju. Yann. Rentre Yann. Oh, allez. Allez, Jérôme peut-être. Joli passage. Est-ce qu'il a le garçon? Non. C'est toujours en place. Allez, ils ont décidé de se donner tous à fond. Paul Saint-Germain. Yann Bonnier, allez, Yann, elle est jolie. Là. Non, la patte du Léo Racine, peut-être chez lui, il y en aurait tant à faire. Allez, la cocarde est bien serrée, on le voit. Entre les cornes de Marcia 15, Jérôme Niel. Je reste pas. Thank you.
Allez.